toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Julien. Bonjour Julien, présente-toi. Salut Olivier, bonjour à tous, merci de m'accorder un petit peu de temps. Donc j'ai 30 ans, je me suis installé à Brétignolles il y a un petit peu plus d'un an avec ma femme et mes deux filles. Dans la vie, je vends du matériel informatique et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je fais à côté un peu, c'est-à-dire du graffiti, des tableaux, des affiches et plein d'autres petites choses. Alors lors du confinement, tu avais publié sur le groupe Facebook Brétignolles-sur-Mer et ses alentours un graffiti sur ton mur. Et depuis, tu as lancé Dune. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, exactement. Concernant ce graffiti, il est toujours sur mon mur. Je suis en ce moment en train de réfléchir à ce que je pourrais faire pour le deuxième confinement, éventuellement repeindre par-dessus. C'est vrai que ça a été un petit peu l'élément déclencheur et le lancement de Dune, même si c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, que j'avais mis de côté, ça a un peu relancé le mouvement. Puis certaines personnes m'ont envoyé des messages très positifs suite au post, donc c'était vraiment, vraiment très agréable. Et puis ça m'a motivé à développer un peu tout ça, donc j'ai ouvert des réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, un site internet et puis plus récemment une boutique en ligne pour acheter notamment des vêtements ou des œuvres d'art. Est-ce que tu peux nous dire comment commander ? Donc pour commander, c'est assez simple, il y a deux solutions. La première, se rendre sur la boutique en ligne. Et pour les gens de Brétignolles et des communes aux alentours, le mieux c'est de me contacter directement. Comme ça, déjà premièrement, vous évitez les frais de livraison. Et deuxièmement, si un jour tout ça se tasse, ça pourra éventuellement occasionner des rencontres. Merci beaucoup Julien pour toutes ces infos. Écoute, merci beaucoup Olivier de m'avoir laissé un petit peu de temps. Bravo pour ce que tu fais sur le groupe, faut continuer et développer ça. Je vous souhaite une bonne journée. Pour suivre Julien sur les réseaux sociaux, je vous mets sa page Facebook et son Instagram. Et bien sûr, pour commander son site internet. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.